tes chargeurs là-bas. Je sais pas. Ça va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis triste. Je suis très, très triste. Il a dit que. Bonsoir. Bonsoir, 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 mes gens. Je vais donner mon coup de gueule avant d'aller au lit. Parce que je suis dans tous mes états. Je suis vraiment dans tous mes états. Je vais donner mon coup de gueule en tant que la belle de la République. Parce que en tant que la belle de la République, je vais donner mon coup de gueule. Parce que là, franchement, ça, pourquoi ça se coupe? Partagez. Ça commence à bien faire. Comment allez-vous? Partagez qu'on fasse ça. Moi, j'ai le coup de gueule à donner. Je suis très énervée. Je suis très, très énervée. Merci pour les cœurs partagés. Nous sommes Camerounais. On aime le Cameroun. Trop de sacrifices. Trop de sacrifices pour peu de résultats. Partagez. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis. Je ne suis pas quelqu'un... S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau là, parce que je suis très, très énervée. Je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis. Je ne suis pas quelqu'un qui va à gauche quand les gens vont à gauche et qui va à droite quand les gens vont à droite. Je vous ai dit depuis le début. Depuis le début, avant les élections à la FECA Foot, avant tout ce qui regarde le football, avant la renaissance du football au Cameroun, je vous ai dit, Eto n'était pas la personne appropriée. Je vous ai toujours dit ça. Et je vous ai toujours dit que je n'aime pas Eto en tant que dirigeant du football camerounais. Beaucoup de gens ont dit que je dis ça parce que Eto, je voulais que mon frère ne, je voulais que mon frère Bamoun soit à la FECA Foot et tout et tout. Ils n'ont pas compris que je ne suis pas du tout tribaliste, du tout, du tout, parce que je suis celle qui a même bien combattu les politiciens de chez moi parce qu'ils avaient fait un très mauvais choix. Donc, j'ai toujours dit que c'est pas parce que quelqu'un a eu un ballon d'or. C'est pas parce que quelqu'un a eu une bonne carrière de football, une bonne carrière personnelle de football, qui peut gérer le football camerounais. L'émotion vous a emporté. Tout le monde ici sait que je n'aime pas Samuel Eto'o fils en tant que dirigeant du football camerounais. Pourquoi? Parce que le football, c'est d'abord un sport collectif. C'est un sport où il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de division, il n'y a pas de... C'est le mérite. Et pour pouvoir être à la hauteur, il faut être républicain. Ça veut dire que si ton frère fait le foot, joue au football, et qu'au moment où il faut faire la sélection, si tu te rends compte qu'il n'est pas capable, tu ne le choisis pas. Parce que le football, parce que c'est républicain. C'est pour la République. Moi, j'ai examiné qui était Eto'o fils dans sa vie privée d'abord. Parce que étant un homme marié, il se pavanait avec les filles dehors. Et celles qui lui faisaient mec, il te publiait, il t'humiliait, et il faisait de toi ce que... Pour être avec lui, il fallait faire ses quatre volontés parce qu'il te donnait de l'argent, parce qu'il estimait qu'il te faisait des cadeaux. C'est là où moi j'ai jugé ce monsieur-là. Jusqu'aujourd'hui. Bédou, s'il te plaît. Là, on dit que la caméra est sale. Attendez.
Attendez, je vais. Le papier et le liquide vitre. Merci. Attendez, s'il vous plaît, je vais nettoyer. Comme vous dites que c'est... La caméra est floue. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Non, 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 je ne m'adresse pas à toi. Est-ce que la caméra est mieux, c'est propre? J'ai nettoyé. J'ai nettoyé. Merci. Moi, je fais cette sortie parce que j'adore le Cameroun. J'aime le président parce que le président a toujours fait des sacrifices pour que les Camerounais reçoivent ce qu'ils aiment. Vous comprenez? Pour que les Camerounais reçoivent ce qu'ils aiment. Le président de la République sait que les Camerounais aiment le football. Malgré la crise et tout, il nous a donné des stades. Il nous a tout donné. On a dit qu'il fallait maintenant donner ceci. On a donné. Il faut faire cela. On a fait. Nous avons conclu que Etofis n'avait aucune éducation d'être président de la FECAFOOT. Parce que la vie professionnelle reflète la vie privée. Je suis désolée, c'est ça. La vie professionnelle, celui qui réussit dans sa vie privée, automatiquement la vie professionnelle est acquise. Quand j'ai vu comment ce monsieur se comportait, quand il a commencé à toucher de l'argent et qu'il faisait tout ce qu'il voulait avec des filles, il méprisait les filles et tout, et qu'il y en a une qui a failli passer de l'autre côté, si elle n'avait pas un moral fort, à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas lui accorder une valeur. Quand j'ai vu comment aux élections de la FECAFOOT, parce que ne voyez pas où quelqu'un est tombé, voyez au début, aux élections de la FECAFOOT, c'est que ce monsieur a promis au Cameroun. Comment il a dit que s'il n'était pas présent à la FECAFOOT, les gens allaient descendre sur le terrain. J'ai dit, ce monsieur a un intérêt pas personnel, ce n'est pas l'intérêt du Cameroun. Parce que quand tu as quelque chose à apporter au Cameroun, tu ne t'agites pas. Mais quand on voit quelqu'un qui s'agite, qui fait venir, qui fait sortir les badauds pour venir se réunir à la FECAFOOT, que Eto doit seulement passer, c'est parce qu'il avait des intérêts particuliers. Et avoir le match qui s'est passé ce soir, avoir fait le Cameroun, je dis bien le Cameroun, le continent, il y a des équipes avec lesquelles le Cameroun peut faire match nul. C'est les équipes de l'Afrique du Nord, des choses comme ça. Mais pas la Guinée. Mais pas la Guinée. Moi, je parle en tant que républicaine. Et ton fils a tout eu. Le Cameroun, s'il s'est endetté pour la canne de la dernière fois, on n'a rien foutu. Voilà ça qui commence. On fait match nul. Avec le gros, un grand don et office qui nous a promis quand il sera président, je m'attendais avec ce qu'il nous a promis, que même l'équipe nationale, si et office était capable de prendre notre équipe nationale, il va mettre en stage bloqué, même en Italie, en Espagne, où il a cette nationalité-là, il est bloqué là-bas pendant, il fait jouer les matchs amicaux avec les relations qu'il nous avait promises. Il avait dit qu'il a tellement de relations. Je m'attendais à ce que cette équipe ne continue pas à s'entraîner ici, partie du Cameroun, partie. Quand j'ai vu l'équipe là prendre l'avion, j'ai dit je ne veux même pas regarder les matchs. J'ai dit je ne vais pas regarder les matchs. Ça veut dire tout simplement quoi? Moi, je ne vais pas parler de Rigobert Song. Je ne vais pas parler de lui. Parce que celui qui veut mettre la bouche sur Rigobert Song perd son temps. Parce que Etofis, Rigobert Song représente Etofis. Rigobert Song ne peut pas donner un avis et rester dessus si Etofis n'est pas d'accord.
Et ton fils a toujours fonctionné avec les gens qui lèchent les pieds. Les gens qui disent, si tu veux être à côté, tu dois être béni, oui, oui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Nous tous, on sait que Rigobert ne peut pas entraîner une équipe. Honnêtement, on le sait. Il ne peut pas entraîner une équipe. Nous tous, nous le savons. Mais pourquoi Eto'o ne peut pas changer Rigobert? Parce qu'il n'aime pas les gens qui lui disent oui, les gens qui lui disent non. Les gens qui donnent des avis et imposent. Eto'o ne fonctionne pas avec les gens qui imposent. Vous allez souffrir échec en échec, échec. Vous avez beau aimer Eto'o, mais comprenez que vous avez aimé Eto'o parce qu'il avait, il a fait un beau football personnel. Ça, on ne peut pas, dire quoi que ce soit là-dessus. Mais le reste là, c'est un gros incapable. J'ai même honte à sa place. J'ai honte à sa place. Parce que on sent bien qu'il n'y a pas de la dirigeance. On sent bien qu'il n'y a pas du confort. On sent bien qu'il n'y a pas de la... On sent bien qu'il n'y a pas... Vous avez vu qu'il a des dents être vigoureux. Onana est où? Est-ce que vous n'avez pas vu que le seul qui a levé la tête, qui a dit ce qu'il pensait, on l'a mis de côté? C'est ce que je suis en train de vous dire. Malgré qu'il était le meilleur gardien de but, on l'a quand même mis de côté. Parce qu'il n'a pas baissé la culotte. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec ton fils. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec lui. On n'en est pas là, malgré qu'il soit le meilleur footballeur. Et ton fils, tout ce que tu nous avais promis, qu'est-ce que tu as apporté à l'équipe nationale? Qu'on sente que les Camerounais ont fait le sacrifice, on t'a mis machin de l'Africa Foot. Faire sortir les gens de l'Africa Foot tous les jours, les remplacer comme les bouts de pain, matin, midi, soir, à longueur de journée. Mettre les indiques qui écoutent tous les commérages et viennent te raconter. Et tu fais des réunions tous les jours pour faire quoi, pour prendre des décisions, chasser X, chasser Y. Moi, je ne suis pas de l'Église. Je suis du Cameroun. Et je suis la belle de la République. Et j'ai mal pour les sacrifices que mon président fait pour ce football que les Camerounais aiment. Vous avez vu en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne peut pas essuyer les chaussures du Cameroun au niveau des stades, au niveau de tout. Mais entre nous et le football alors, je m'attendais à voir même Eto'o fils là, parfois au terrain, montrer aux enfants que si j'ai été champion, je faisais comme ça, on s'attendait à voir une rénovation. Je n'ai pas l'impression qu'on a mis un footballeur président de l'Africa Foot. Et n'oubliez pas que tout ce que Eto'o fils a eu en tant que président de l'Africa Foot, les autres n'ont pas eu ce privilège. Ils n'ont pas eu ce privilège. Où sont donc les contrats qu'ils nous avaient promis? Parce que on nous avait dit ici que avec toutes les relations qu'il a au monde, il va faire les contrats. Eto'o fils est espagnol. Je m'attendais pour préparer cette CAN. Que ce gars, avec tout l'argent que l'Africa Foot a, il allait prendre l'équipe, la sélection. Parce que, en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que, qu'on gagne ou pas, ils encaissent. Je m'attends. Parce que s'il y avait eu un financement, si Eto'o avait vidé les caisses de l'Africa Foot, si Eto'o avait misé sur les joueurs, il allait prendre des dispositions. Qu'on prenne ses enfants, on les amène. Il dit, comme vous ne connaissez pas l'hiver, je vous amène. Il paye là-bas en Espagne. L'Espagne ne coûte pas cher. Stage bloqué. Pour que les enfants jouent avec, ils organisent comme le mercato. J'ai souvent été au mercato. J'ai été au mercato deux fois à Antalya. Là où on amène les équipes, jouent entre elles et puis on teste les forces pour que nos enfants puissent comprendre le niveau ailleurs pour venir donc affronter la Coupe d'Afrique. Comment vous pouvez prendre un gars du quartier que dès que tu lui dis mouf, il dit je t'attends.
Je vous dis, son est là parce que c'est un béni, oui, oui, fini de fumer ces choses et tout. À vue d'un, est-ce que son peut faire dire, moi je fais 4 kilomètres sur le tapis sans m'arrêter. Est-ce que son peut courir 4 kilomètres? Est-ce qu'on nous a montré la préparation des lions pour que nous soyons, pour qu'on puisse acheter? Mais Jean, je n'ai pas acheté le maillot de lions, hein. Je n'ai pas acheté le maillot de Lyon parce que quand j'ai vu l'équipe, j'ai dit, ne perds pas mon argent. J'étais au casino, à City Sport, là. J'étais à City Sport aujourd'hui. J'étais aussi allé faire mes courses au casino. J'ai pris le maillot pour d'autres. J'ai dit, je ne porte pas parce que j'avais déjà vu l'équipe. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui vous a même motivé? Et toi, fait quoi pour que vous soyez motivé à attendre le match? En dehors de nous-mêmes qui avons décidé en tant que patriotes que vous avez bougé, vous êtes certains, on payait les billets d'avion. Vous payez les billets d'avion que vous avez d'abord eu quelle préparation? Tout ce qui vous a promis, voilà la deuxième carte, il n'y a rien. D'autres ont même dit que c'était l'église qu'on déteste. Où est un match nul? Et à Sambouma, un match nul avec la Guinée. Non, non, qu'on ne se moque pas de notre pays. Moi, j'ai la rage, mes gens, parce que quand je vois les sacrifices que le Cameroun fait, est-ce que vous savez que ce gars, le Cameroun s'endette pour la FECAFOOT? On crée les lits pour verser l'argent à la FECAFOOT. On a alors mis un international là, pourquoi? On a mis un international là, pourquoi? Et t'en as pas honte? Et t'en as pas honte? La CAN est venue ici au Cameroun, on avait les meilleurs stades. C'était du Hélélé. Tous les stades. On jouait un match ici, on jouait un autre match à Garoua. Tous les matchs, c'est le top des tops. Il a fait quoi pour récompenser le président Paul Biya? Vraiment, le matériel de travail dont j'ai besoin, c'est des beaux stades. Il a fait quoi? Pour qu'on puisse vraiment se rendre compte que oui, le pays a fait des efforts. On va d'échec en échec, d'échec en échec. On dit église. Église de quoi? Et toi, c'est qui? Et toi, fait quoi? Moi, ça place, j'aurais déposé le mandat pour un homme, si vraiment il a pris la nationalité européenne, pour être un vrai européen. L'européen n'aime pas la honte. L'Européen n'aime pas la honte. Je dépose le mandat. Match nul avec la Guinée, c'est la honte. C'est la honte. Heureusement que je n'ai pas acheté les maillots. Hein. Moi, je n'achète pas. Et pourtant, nous tous, on a vu la CAN ici. Ce que j'ai fait pendant la CAN. Ce qui s'est passé pendant la CAN. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire des dépenses comme ça pour que quelqu'un. Mais Jean, je ne pouvais pas imaginer. Je n'ai rien contre l'entraîneur, hein, le coach son. J'ai rien contre lui, hein. Mais je ne pouvais pas imaginer. Je ne demande pas que Eto chasse son ami, hein. Parce que c'est son ami. C'est son béni. Oui, 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 oui. Parfois, on se demande vraiment jusqu'où va cette amitié. Mais pour l'intérêt du Cameroun, il aurait pu prendre un autre entraîneur. Il aurait pu faire des propositions à Patrick Boma qui a au moins le diplôme. Il aurait pu quand même prendre quand même quelqu'un de professionnel et mettre auprès de son que nous savons tous que voilà, il n'a pas toute sa santé quand même. Il a eu la chance d'être aujourd'hui comme il est, mais on ne peut pas prendre tout un pays, on met entre les mains de son. Parce que c'est l'ami d'Eto. Même Roger Mila aurait pu. Ne serait-ce que les conseils, parce que c'est des gens qui ont l'œil du football. On a des gens, on a des gens bien. Ils devaient s'entourer. Mais non, c'est un gars qui ne veut pas qu'on lui dise que fais comme ça, fais comme ça. Il est président de la FECAFOOT. Donc c'est lui le commandant de la FECAFOOT, le président, le patron de la FECAFOOT. Voilà son esprit. Avec ça,
ça ne marche pas dans le sport. Ça ne marche pas. Le sport, la définition du sport, c'est une collectivité, c'est collectif. Le jeu est collectif, les idées sont collectives, tout est collectif. C'est ça qui fait un beau sport. Mais là, c'est moi, le tapeur de main de la poitrine. C'est pour ça que jusqu'à ce que ça, je ne serai jamais poète office. Alors, si vous êtes là donc pour continuer à applaudir, applaudissez pour sa carrière. La carrière qu'il a eue. Alors, vous pouvez applaudir pour lui. Il a fait une bonne carrière. On a eu le temps d'applaudir. Il a eu le temps de représenter bien le drapeau camerounais, gagner son propre argent avec sa famille. Et tout ce qui va avec. On applaudit pour ça. Mais c'est nul de chez nul. C'est nul de chez nul. Alors pour ma République, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Parce que je pensais qu'avec la CAN qui s'est passée ici au Cameroun, c'était la CAN, non? Ça fait 4 ans? Non. 2 ans? Moi, je pensais qu'il devait avoir de la rénovation. C'est-à-dire, on change le coach. Ou alors, il prend un deuxième coach, d'accord? Pour assister son, pour qu'ils aient 2 regards différents. Et qu'ils lui-même prennent des associés. C'est pas parce que tu es président que tout ce que tu dis, c'est ça qui est bien. Il devrait prendre quand même des associés qui ont l'œil du football, qui ont d'autres yeux pour qu'ils réunissent, pour que ça fasse du collectif, pour qu'on puisse sortir un résultat. On n'a jamais autant échoué. Il y a quand même des équipes. Quand le Cameroun entre au stade, parce que le Cameroun n'a jamais changé de nom. Tout au contraire. Quand le Cameroun entre au stade, il y a des pays que c'est un jeu d'enfant. Honnêtement. Pas la Guinée. Pas la Guinée. Moi, j'attendais le show avec l'Afrique de l'Ouest, non? De l'Afrique du Nord. Les Marocains et tout ça, j'attends, c'est là, et le reste là pour moi c'était, et j'attendais un petit show qu'on allait écraser la Côte d'Ivoire, et ça allait être le corps à corps entre Etofis et Drogba. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, honnêtement, c'est la honte. Et moi, je sais mal pour mon pays. Hein. J'ai mal pour mon pays. Je vous dis. J'ai mal pour tout l'argent qu'on a mis dans le football. Et les stades, et les ceci. Mais gens, je ne sais pas si... il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller ici à Olembe, au stade. Il y en a qui n'ont pas encore eu la chance d'aller... Moi, je n'ai vu que Olembe et j'ai vu aussi le stade. J'étais au stade de Japoma. Ça fait rêver. Ça, c'est un autre niveau. Mais tout ça pourquoi? En plus de ce stade, on a le grand Samuel Etofis qui nous a tout promis. Même pas un match amical à l'étranger en tant que quelqu'un qui a gagné tous ses milliards à l'étranger. Même faire plaisir, dire que je tape ma propre poche ou je tape dans la poche de la FECAFOOT. Qu'ils aillent faire 2-3 matchs pour montrer qu'un... Oui, j'ai fait du football. Qu'est-ce que Eto'o a fait différent de Bobo? Bobo n'était pas un sportif. Hein? À mon avis, il n'était pas footballeur. Il n'y a aucune différence. Je m'attendais à des choses. Je m'attendais à des choses. Alors, allons digérer notre défaite. Voilà pourquoi quand le match est fini, la Guinée, c'était comme si la Guinée a gagné le Cameroun. Parce que faire nul avec le continent, pour eux, c'est qu'ils ont gagné le match. Est-ce que vous n'avez pas vu la Guinée danser comme s'ils avaient gagné, alors que ce n'était qu'un nul? Parce qu'ils connaissent le Cameroun. Alors, il se passe quoi? Il est où, Onana? Il est où, Onana? Parce qu'il lève la tête, parce qu'il dit ce qu'il pense, parce qu'il estime qu'à gauche, on doit mettre tel, à droite, on doit mettre tel.
On le met à la porte, on dit, tant que tu ne te courbes pas, tant que tu ne demandes pas pardon. Vous avez suivi tout ça ici avec moi. Tant que tu ne demandes pas pardon. Parce que quand les gens se prennent pour des dieux, c'est ça que ça donne. Tous les meilleurs attaquants, on les a laissés. Parce que tant quand les gens se prennent pour des dieux, c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Eto, c'est le Dieu des... C'est, Dieu Eto. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. C'est ça. Et quand tu ne dis pas Amen avec lui, tu es dehors. Que tu joues bien ou pas. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un républicain. Ce n'est pas un patriote. Ce n'est pas un patriote, ce n'est pas un républicain. Voilà. C'est un tout petit, c'est un tout petit peu quand tu... Voilà, quand tu humilies une femme... voilà. Pour toi, c'est une femme comme toutes les autres, aucun respect, quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. On s'en fout du Cameroun. Que tu sois meilleur joueur, meilleur gardien de but, tu ne demandes pas pardon. Tu n'écoutes pas ce que son te dit. Même que tu dépasses son en tout, tu es dehors. Voilà donc à quoi on s'attend. Voilà donc les résultats. Voilà les résultats. Vous voulez quoi? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vous attendiez à quoi? Moi, je n'ai pas acheté le maillot, hein. Et je n'achèterai jamais. Je n'achèterai jamais. Jusqu'à la fin. Parce que l'équipe que j'ai vue là, la préparation que nous tous on a vécue, il n'y a rien. Deuxième canne. Qu'est-ce que Samuel a fait pour qu'on puisse comprendre qu'il est espagnol? L'Espagne, c'est son pays. Mais genre, quand j'allais en vacances en Espagne, quand Samuel était à Barcelone, je vous ai toujours raconté ça. À l'entrée de Barcelone, c'est la photo de Samuel qui est comme ça, un gigantesque truc. Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il ne peut rien, on ne peut rien lui refuser. Ça veut dire qu'il arrive à l'ambassade d'Espagne, il dit j'amène mes enfants en préparation fermée. Comment on dit? Préparation, non? En préparation. Oui, en match de préparation. Oui. Ou entraînement, machin, machin. Qu'est-ce qui coûte à Samuel même? Mais franchement, il forme les enfants là. Les matchs amicaux, il organise partout où il vivait en Espagne, là-bas. Il nous montre que oui, je fais tout pour que les enfants puissent rien du tout. Il a pris la FECAFOOT. Il est comme quelqu'un qui est parti de Malantoine chez moi, de Ngomapoubi. Il prend la FECAFOOT, ça tourne comme tout le monde tourne. Ça tourne comme tout le monde tourne. Et c'est seulement les nominations, les renvois, les licenciements, les remplacements. Voilà tout ce qui se passe à la FECAFOOT. En attendant, l'argent que Paul Biya a mis dans tout ça. Les investissements. Même pas une victoire. Parce que vous n'aurez pas la CAN. Eh bien, j'espère pour vous que vous l'aurez. Mais quand on commence par un match nul avec la Guinée, sachez que la Côte d'Ivoire, les gens, même moralement, les autres ont déjà pris le pouvoir moralement sur nos joueurs. La Guinée, match nul. Vous savez ce que les autres vont dire. Ils vont dire si la Guinée... La prochaine équipe qui va peut-être gagner la Guinée saura qu'elle va gagner le Cameroun. C'est ça? Et tout ça, ça se joue dans la tête. Quand les gens ne peuvent même pas. Quelqu'un qui a fait ce genre de football. C'est quoi? Rigobert, son fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait là? Avec ses 2,5 kilos, il fait quoi là? Qu'on parle de l'équipe du Cameroun. Qu'on parle qu'on parle du coach de l'équipe nationale du Cameroun. Rigobert, on peut faire quoi? Un attaquant de la Guinée, on l'a enlevé. La Guinée, ils étaient 10. Ils étaient 10, ils ont fait nul. On fait le remplacement, le même attaquant pour qu'on marque les buts comme les défenseurs. Entre nous. Non, c'est son petit toutou, quoi. C'est le petit toutou d'Eto, c'est son toutou. C'est celui qui accepte de dire oui. De toute façon, il n'a rien à perdre. Et toi, si tu as envie de descendre, prends le maître de côté, tu lui donnes l'argent. Et tu nous prends un entraîneur. Tu nous prends quelqu'un qui connaît le football.
entre en contact avec les Patrick Mboma. Voilà les enfants qui ont fait l'école de foot. Entre en contact avec les gens qui ont joué le football pendant que toi aussi tu jouais. Parce que le Cameroun, c'est une république. Le football camerounais, c'est une république. Ce n'est pas parce que et toi, tu es président de l'Afrique à foot, que si on gagne, cette victoire, c'est pour toi. Cette victoire, c'est pour tout le Cameroun. Et quand on n'arrive pas à gagner, la défaite, c'est pour tout le Cameroun. Voilà pourquoi tu dois être entouré. Tu dois être entouré pour pouvoir t'en sortir. C'est trop de honte. Sur place au Cameroun, tu as eu honte. Voilà en quoi à l'étranger, à l'ouverture. La honte. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est l'individualisme. Parce que tu es un tapeur de poitrine. Parce que tu as été. Le truc, c'est que tu ne comprends pas que tu as été et ton fils. Tu as été et ton fils. Maintenant, ce sont des enfants. Il faut faire quelque chose. Entoure-toi. Natacha dit quel match nul. À 10, les gars étaient à 10. On n'a même pas pu les gagner. Ça veut dire que s'ils étaient 11, ils allaient marquer le deuxième but. Et pendant qu'on remplace, il remplaçait quoi? C'était les attaquants ou les défenseurs? Il a remplacé un attaquant pour mettre un défenseur. Il a remplacé un attaquant pour mettre un défenseur. Tu remplaces un attaquant, tu mets un défenseur. Pardon. Tu peux lui livrer le champagne chez lui. Tu peux lui livrer le whisky et la cigarette chez lui. Très bien. Et tu lui donnes l'argent. Et ton fils, donne l'argent. Donne tout ce que tu veux à ton ami. Parce que c'est ton ami. Mets-nous quelqu'un pour sauver le Cameroun. Voilà. Regarde-moi un autre ou une autre qui dit que le football n'a jamais développé un pays. Qui a parlé du développement d'un pays? Tu es normal, toi. Tu veux que je bloque ta race? Tu veux que je te bloque? Qui a parlé du développement du pays? L'autre dit, laissez étouffer. Oui, c'est votre église. C'est votre église. Là où tu dis même qu'on les laisse en paix, alors que nous, on a mis l'argent, je te bloque. Allez, j'étais bloqué. Parce que ça ne rigole pas avec moi. Moi, je revendique tout l'argent que le Cameroun sacrifie pour le football. Pour moi, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Tout ce que le Cameroun a mis. Et on n'a pu rien faire. Là, vous deviez donc, vous l'Église. L'Église doit donc comprendre. L'Église doit comprendre. Oui, oui, oui. La fille, je te bloque. Il n'y a pas de masse ici. Je bloque parce que je suis en train de pleurer là. Je pleure l'argent de mon pays. Je pleure l'argent de mon pays. On a même mis tout cet argent parce que Eto nous avait promis terre et ciel. Hein? Où sont les contrats? Il devait faire les contrats à l'étranger. Il devait nous ramener des contrats. Il devait faire ceci, les équipes, le machin. On pouvait même organiser le mercato. On allait organiser le mercato au Cameroun. N'importe quoi. Des vendeurs d'illusions. Va. De toutes les façons, moi, je suis... tu peux ne pas partager, il sera toujours partagé. Parce que les républicains savent que moi, je... Quand ça regarde la République, moi, je parle. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Tu es obligé de partager parce que ce que j'ai dit est pertinent, la file. C'est ça. Ceux qui viennent là de l'église là pour dire que laissez Eto et laissez Eto. Nous, si Eto construisait les stades, si Eto faisait tout ce qu'on fait là, avec son argent, personne ne parlerait. Mais ça avait l'argent du Cameroun. Là, on a un mot à dire. C'est tout. Veve Kouloud, bonsoir. Je suis trop triste et je suis remontée. Je suis remontée. Parce que nous ne sommes pas des patrons de foot, mais quand même, au bout de d'abord la première CAN qui a échoué, non, moi j'attendais de la rénovation à l'Afrika Foot. J'attendais de la rénovation, j'attendais le président de l'Afrika Foot qui a
la possibilité d'aller d'amener même les enfants en Espagne, où il a fait sa plus, je pense, sa plus belle carrière en Espagne, et où il a fait toute sa vie, parce qu'on ne peut pas lui refuser ça. Et voilà, quand je me rends compte que rien n'a changé du tout, et que c'est pire, parce qu'on n'a même pas vu l'anglais. Vous avez vu qui au stade, en dehors de... Il y a un seul joueur qui se battait seul. Vous avez vu quoi au stade? Qu'est-ce que vous avez fait au stade? Les cousins des sons, les petits frères de la famille, et ceux qui se courbent, ceux qui font comme ça là, amen. C'est ceux-là qui sont au stade. Aboubakar va jouer. Hein? Ah, il s'est blessé? C'était la même chose à la CAN de l'année de il y a 2 ans. On a mis Aboubakar dehors. Mais quand les Camerounais ont revendiqué Aboubakar, parce qu'Aboubakar n'est pas un courbe-tête, quand les Camerounais ont revendiqué Aboubakar, vous avez vu ce qu'Aboubakar est entré faire au stade. Mais genre, ça veut dire que même si tu es un bon joueur et que tu ne courbes pas la tête, on te met de côté. Alors, qu'est-ce qu'on fout avec quelqu'un qui n'est pas républicain? Hein? Qui fait une campagne, dont vous faites la campagne de sa carrière. Il était une fois et d'office. C'est fini sa carrière. C'est il était une fois. Mais maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que mes gens, je sais que même la République trempe la main dans les caisses pour verser à la FECAFOOT. Sans compter tout ce que la FIFA, tout ce qu'on verse là partout. Le pays verse de l'argent à la FECAFOOT pour que les Camerounais puissent garder cela, le beau football qu'on a toujours connu. Hein? Est-ce que vous avez vu Eto? En tout cas, moi, je ne suis pas beaucoup le foot. Est-ce qu'un jour Eto Fils a mis le short en tant que footballeur, entre au terrain avec l'équipe nationale? Est-ce qu'un jour il a fait ça? Pour qu'on sente que le président de la FECAFOOT du Cameroun, c'est un ancien footballeur ballon d'or. Est-ce qu'il a fait ça? Non, il porte le costume. Il est le président, je suis le président de la FECAFOOT. Il n'y a pas le terrain. Hein? Qu'est-ce qui a été fait pour que les enfants se mettent en esprit de guerre? Qu'est-ce qui a été fait pour que leur esprit soit un esprit de combattant quand ils partent? Hein? Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les actes que ce garçon, ce monsieur d'Etofis a posé pour que les enfants sentent qu'ici, là, on n'a pas de choix que de ramener la victoire? Il y a eu quoi? Hein? Il devait se retrouver même au stade avec les enfants, aux entraînements. Les gars voient que non, on s'est entraîné avec le président, c'est chaud. Parce qu'il se serait entouré peut-être avec 4, 5, 6, 10, une dizaine des anciens joueurs. Parce que c'est une affaire du Cameroun. Vous savez ce que ça allait faire dans le moral? Ça allait buster les enfants. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas de, moi, je fais du lobbying. Donc, je sais vendre. Donc, tout ce que tu vas mettre devant moi, là, je vais le vendre. Tout ce que je dis là, je fais pas de football. Mais, comme je sais vendre tout. Non. La honte de ça, c'est honteux. C'est honteux. On est en train de se demander... On est en train de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si Etofi était un Européen, comme les Européens tels que je les connais, il allait déposer le mandat. Hein? Michel Bukele, qu'est-ce qui n'a pas marché? Échec en échec. Qui n'entre donc pas? Où est la victoire? Comme vous, Josiane, je sais que vous êtes de l'église. Moi, je ne suis pas... moi, je suis pas tribaliste. D'ailleurs, une républicaine ne peut pas être tribaliste. Moi, même si c'est mon frère, même père, même mère, qui échoue, je viendrai faire comme je fais là. Parce que c'est mon pays avant tout. C'est ça. Tous ces sacrifices, la Guinée... Maman, quand les gens là ont eu le match nu, ils ont dansé jusqu'à... Le stade était en l'air. Les gens, ils dansaient parce que c'est la victoire. Faire match nul avec le continent. C'est la victoire.
Parce que là, c'est-à-dire que ils vont seulement, ça sera que on a fait match nul avec le Cameroun. Même s'ils rentrent demain, pour eux, c'est déjà la victoire. Mes gens, écoutez, hein, moi je vais prendre ma douche et je vais dormir. Franchement, j'ai la boule à l'estomac. Je ne veux même pas. Ma nourriture, c'est le verre d'eau aussi. Je bois le verre d'eau. Au nom de Dieu, je ne peux pas dormir. Ça dit que mon estomac est ici, là. Mon estomac est ici. Je vous dis, mes gens. Non. Hush. Tu vois pourquoi? C'est la première. Tu vois pourquoi moi, je te disais que les maillots, là, je ne sens pas ça. Elle t'a dit, je n'achète pas les maillots. Je ne sens pas ce que j'ai vu là. Je ne sens pas. Non. Ils arrivent encore. Ceux qui peuvent faire quelque chose, ils sont restés sur les bancs. Tu m'avais insulté, non? Tu m'avais tourné les yeux, non? Allez-toi sur les bancs. Toi, tu m'obéis, non? Allez-toi au terrain. C'est comme ça que ça se gère. Sinon, on n'allait pas avoir un résultat aussi naze, aussi nul. Non, mes gens, je suis mal, hein? Je suis très mal. Je suis très, très mal. De toute façon, je suis vraiment mal. Parce qu'on ne peut pas mettre autant d'argent dans le football. En plus, on dit, bon, le directeur de l'Afrique, le président de l'Afrique Foot, un grand footballeur qui a une expérience dans le football et tout et tout. Moi, j'avais dit, même lors des élections, que ce gars, il a été un grand footballeur personnel, comme carrière, mais dirigeant, gérer les hommes. Depuis le temps, il y a Coupe d'Afrique, il y a plus personne qui a le nombre de buts qu'il a. Depuis la Coupe d'Afrique, il a 17 buts. Il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Lui, comment ne pas prendre les bons buteurs pour venir marquer? Il prend, comme Aboubakar Vincent, il a une blessure. Au Cameroun, il n'y a plus rien. On n'a aucune attaque. Aucune. Voilà. La défense est médiocre. On dit que, quand on dit que tu es champion, on en a. Elle était champion. Le but que tu dois en question de l'Union, on n'en a pas question ce genre de but. Un gardien, il attend qu'on vienne. Nous sommes conscients que le but que Onana a encaissé aujourd'hui, qu'on doit encaisser aujourd'hui, Onana ne pouvait pas encaisser ce but. Irène Bella, j'ai déjà dit ici que Etofis n'a rien à foutre avec les Camerounais. Il n'a rien à foutre. Il est président de la FECA Foot et là il va à les élections. Il est président. Quelqu'un qui a dit que si on ne le vote pas, les gens vont descendre dans la rue. On t'a donc voté. Voilà donc la honte. Il n'a même pas honte. Il trouve bien. Sur le territoire ivoirien, n'importe quoi, je ne sais pas, mais je suis dégoûté. Mais je me retiens seulement parce que j'ai même envie même de dire des choses. Je me retiens, franchement. Qu'il laisse notre équipe, qu'il parte. Vraiment. Encore, oui, parce que les Roger Millet n'en a rien à foutre. Les gens, ce gars-ci, il était entouré. Et le Sénégal, c'est pas. Le prochain match, ça va être au Sénégal. Le prochain match, ça va être au Sénégal. Hein. Le Sénégal, ils ont gagné 3-0. Oui, ils ont gagné 3-0. C'est grave, hein. L'équipe du Sénégal que j'ai vue là, face au Cameroun. Bonsoir, c'est pour cela que j'ai évité de regarder le match pour éviter l'AVC, ma vie. Mais, moi, en tout cas, moi, j'étais déjà préparé. J'étais déjà préparé psychologiquement. Donc, j'ai regardé le Cameroun j'ai regardé le match sans émotion. J'ai regardé le match sans émotion. Avec tout le tapas, avec tout ce qu'on a raconté. Sans émotion. La Côte d'Ivoire, premier match, ils ont gagné. La Côte d'Ivoire risque de rester avec sa coupe. Hein. Et si la Côte d'Ivoire reste avec sa coupe, tous les Camerounais vont se déconnecter de Facebook. C'est que c'est fini. Les Camerounais vont se déconnecter de Facebook, je vous le dis d'abord. Donc, vraiment, nous sommes très choqués. Moi, je suis vraiment dégoûté. Hein. Allez, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Le Cameroun doit se calmer. Il savent que l'équipe nationale nous appartient. C'est notre pays. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai parlé des collectivités. C'est une collectivité. C'est le Cameroun. C'est pas leur champ. C'est pas eux. Et il faut les rappeler que en Côte d'Ivoire, ils jouent là. Et puis une année, la Côte d'Ivoire avait merdé. Le général Guy a arrêté tous les joueurs avec le président, tous se mettre en cellule. Ils ont été bien fouillés avant que la Côte d'Ivoire joue maintenant au football qu'ils jouent là.
Mais nous, on ne peut pas faire ça. Non, mais aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, quand ils partent, ils vont se jouer en demi-finale au moins. Parce qu'ils savent que c'est l'honneur, c'est la patrie. L'équipe nationale devient comme une armée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la patrie en tant que patriote. Je suis dépassé, je suis dégoûté, je suis. Merde. Il faut voir le but, il faut voir les. Il faut voir son en route. Dehors, il connaît seulement porter la chemise blanche, mettre la casquette et le costume. Il fait genre. Il faut donner le proverbe. Quand on lui demandait que le match contre la Guinée avant le bail, il dit que quand une bordelle raconte un gars, si elle est chimique, ça veut dire que le gars n'a pas bien travaillé. Maintenant, alors voilà ça, alors qu'on envoie au travail. Que si une bordelle rencontre un gars, si elle est gémie parce que le gars n'a pas bien. Oui. Voilà sa part qui peut déclarer. Voilà sa part de proverbe qui peut déclarer. Les proverbes qu'il faudrait donner. Les proverbes. La loi du danger. La loi du danger, n'importe quoi. Ça, c'est quand quelqu'un est déjà assis, qu'il a déjà fini le départ et le whisky, que ça a déjà pris sa tête, que la casse. Vraiment, hein, je suis dépassé. Il a fini. Il boit le whisky, il va mourir demain. Mais que Etofis prenne son ami, il le met de côté, il lui donne la cigarette, il lui donne le whisky, il lui donne l'argent. Et il prend les vraies personnes qui peuvent gérer l'équipe. Il y a les Omambiyik, les bons coachs. Il y a les Omambiyik. Il y a les. Tu sais, ils ont les tout d'entraîneurs. Ouais. Et malgré l'échec de son, il est toujours à côté. Quoi? Mais parce que. Eto est en même temps président de la FECAFOOT et en même temps coach. Oui, c'est ce que vous deviez savoir. Son est le seul qui accepte ça. Il est en même temps coach. Eto est en même temps coach et en même temps président de la FECAFOOT. Si tu n'acceptes pas, tu dégages avec lui. C'est ça. C'est ça. L'homme a laissé Choupo Moting. Choupo Moting a demandé, a voulu, son père parlait qu'ils n'ont pas vu les primes. Et toi, il dit qu'ils n'ont pas été fâchés. Il laisse un grand joueur comme Choupo Moting. Choupo Moting, non. Il n'est pas venu. Juste parce qu'il a demandé. Son père a demandé. Les primes. Et le père, il n'a pas vu les primes. Il n'a pas dit qu'il n'a pas eu, mais il n'avait pas encore, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Et tout s'est fâché. Il dit que non, il est très fâché. Et tout. Et Choupo Moting n'est pas venu. Et resté, juste parce qu'il a dit qu'il n'a pas vu les primes. Voir un attaquant comme Choupo Moting, un homme qui a joué dans toutes les équipes. Voilà. Moi, je ne suis même pas les conneries là. Ça veut dire tout simplement que hein, tu ouvres ta bouche. Si ce n'est pas dans le sens des taux, il te met de côté. Que tu sois un bon joueur, il te met de côté. Ça, c'est comme ça que j'ai décrit ce monsieur dès le début quand il a mis sa candidature. C'est comme ça que j'avais décrit ce monsieur. Et j'ai dit jusqu'à la fin. Je ne vais jamais lui accorder ma confiance. Je ne vais jamais l'aimer comme président de la FECAFOOT. Et c'est ça qui se passe. Tu fais mec, il te met dehors. Même si tu es le meilleur joueur, même si tu es le Etofis en miniature, il te met dehors. Donc tous ceux qui sont là, c'est ceux qui la bouclent. Mes gens, vous êtes encore 117. Je vous aime très très fort. Hein. Buvez des grands verres d'eau comme moi. Et on attend le prochain match, s'il vous plaît. On attend le prochain match. Et puis, j'espère que, voilà, je ne vais rien espérer parce que ce mec ne va jamais changer. C'est ce que j'ai dit, la fleur, que au moins qu'il approche Mboma. Patrick Mboma, c'est les gars qui ont l'école du football, qui ont fait l'école du football. Mais comme il n'aime pas être avec les gens qui le dépassent, il n'aime pas être avec les gens qui ont une certaine grandeur hauteur, parce que c'est le moi là. Tous ceux qui tapent le moi là, c'est de l'orgueil. Et le cadeau de l'orgueil, c'est l'échec. Parce qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Et ton fils ne sait pas ce que c'est que l'humilité. Il connaît ça. Et tous ceux qui sont comme ça, j'ai fait, les malins aiment vous tout. Ils finissent par l'échec, c'est tout. C'est ça. Tous ceux que vous allez voir comme ça là, leur fin, c'est des gens qui finissent comme ça. Voilà. Allez, Élise, moi je veux bloquer ta race.
vite fait et bien fait. Apparemment, la victoire te va. Allez. Voilà. Je pense que je l'ai bloqué. Ok, je vous aime très très fort. Hein. On reste focus. On attend les prochains matchs. Et on espère que tous ces lives que nous faisons, ça va l'interpeller. Qu'il sache que l'équipe nationale n'appartient pas au président de la FECAFOOT. L'équipe nationale appartient aux Camerounais. Un joueur peut insulter le président de la FECAFOOT. Si c'est un bon joueur, il a l'obligation de le faire jouer pour le vert ou jaune. C'est tout ce qu'on peut lui apporter. C'est tout ce que moi je peux lui dire. Allez. Allez, je vous aime très très fort. J'ai mal quoi. J'ai mal. Bye bye. Bonne nuit.